Bonjour à tous, donc voici la partie 2 de Call of Duty classique. Donc on reprend là où on s'était arrêté avec le chargeur, on dit à bord d'une voiture. Une nouvelle mission à effectuer toujours en France. Et oui, nous sommes envahis, enfin, nous sommes. J'ai juste les traits d'un Américain, mais voilà, en tant que Français, on était envahis durant, durant cette période. Heureusement qu'ils ont pas un lance-roquette, hein. C'est pas vraiment évident de tirer quand t'es en mouvement, mais bon, ouais, question d'habitude. Oh là 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 là, attention. Donc putain, heureusement qu'il bouge pas aussi vite que qu'un chat quoi. Oh là 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 là, un autre encore. Et ben enfin, tu veux que je tire où, mon pote? Y a pas d'ennemis, et puis en plus, je peux pas tirer avec un. La mitrailleuse sera inefficace sur un char, quoi. Si j'ai pas de lance-roquettes. Oh là 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 là! J'espère qu'on va rien avoir. Ok, on se casse. Ça va vite. Personne, ok, c'est bon. Oui, là, demain. Petit fils, ça va pas faire de mal. Encore, ok. C'est parti. Alors, je ne suis pas sûr, mais il me semble que à vérifier, hein, bien sûr. Je ne pense pas qu'on puisse jouer avec la manette à Call of Duty classique sur PC. Sauf si vous avez un. On sait qu'il y a des contrôleurs, des programmes spéciaux, comme c'est le cas notamment pour les jeux de moto, ainsi que certains jeux de rugby. Où vous pouvez jouer avec le clavier. Parfois ce sont des touches qui sont configurées automatiquement. Ça varie vraiment en fonction des jeux. C'est vrai qu'il y a pas mal de forums à ce sujet. Ah, les jeux FPS, j'ai plus la particularité d'y jouer généralement avec le clavier et la souris. Après, pour les autres jeux type sport, généralement, ça reste de la manette. Oh là là, la pression.
Ça, c'est le bruit d'un char, ça. Est-ce qu'il est... Ah, ça va, il est loin. Oh, ralenti, mon vieux. T'es quand même attendre 10 secondes pour qu'il te... pour que t'opères, mon pote. On est arrivé au point de ralliement. Je sais pas dire. Manoir de Troisième escouade, Manoir de vous êtes en Brécourt. champ avec votre mitrailleuse. Deuxième escouade, vous suivez en réserve. Elder, Marty, suivez-moi. Tout le monde est prêt? On y va. Capitaine Follet. Ok, pas de problème. Je sais pas pourquoi ils nous mettent toujours cette arme. Bon. Remarque, ça devait être l'arme des Américains. Ils ont deux MG42. Troisième escouade, attirez leur attention sur la gauche. Deuxième escouade, frappez-les sur la Je sais droite. pas, durant la guerre, certaines. Nation avec des armes entre guillemets de, j'ai pas dire de prédilection, mais donc il y a des armes qui sont assez connues comme le AK-47 par exemple. Les grenades s'imposent. Alors d'arrêter à tirer, forcer d'arrêter de tirer, et ça aussi permettre de me... Attends, de me rapprocher. Ah merde, c'est un ami. Demi-tour, abritez-vous. Ouais. Ce qui est bien, c'est que au moins dans ce jeu, on sait quand est-ce qu'il faut bouger lorsqu'on actionne un minuteur. Plutôt prendre celle-là, je suis adepte des mitrailleuses que des... Au revoir, mon pote. Attention, tour, demi-tour. Est-ce qu'il laisse t'enfoirer? Putain, c'est mort. Un peu de vie s'impose. On reste 17, on va envoyer ça. Je parle pas l'allemand, donc ça est difficile pour moi de comprendre ce que vous dites. Ouh, c'est bon, ça... Putain, pas encore. Putain, heureusement que je me suis pas tourné, parce que sinon j'aurais été mort bêtement, surtout si j'avais moins de vie. Ça me paraît... Ouais, ça aurait été trop beau pour être vrai qu'il n'y ait personne ici. Surtout que la porte était fermée. Merci, sergent. J'aurais pu lâcher moi-même, mais bon, c'est pas très grave. Merci. Allez. Ça peut être intéressant. Sans blague.
Oh putain. En même temps, tu restes là, mon pote. Putain, le mec il est resté sur le bord, il a pris une balle dans la tête. Oh là là, putain, il y en a de plus en plus là. Ok, on y va. Tous baisser parce que toujours être en mouvement pour éviter de prendre une balle perdue. Ah, une balle perdue, c'est pas vraiment une balle perdue, disons que c'était juste personne est resté immobile, donc du coup bah c'est facile pour qu'une cible enfin, pour qu'il se fasse atteindre. C'est parti, faut passer par là et on va pas les arroser parce que je suis dans une position assez difficile. Lancer une à deux grenades et avancer et au revoir. Un peu de vie pour faire de mal. On actionne ça et on se tire. J'allais tourner à gauche, attends à droite. Ce serait con d'aller trop vite pour se faire buter bêtement quoi. Putain, j'aime pas cette arme. Bon, ça, on va faire avec, de toute façon j'ai pas le choix. Ouh là 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 là. Attends, quoi. Les grands, en gros mots, les grands remèdes. Non. Pas beaucoup, mais c'est toujours ça. J'imagine qu'il faut passer en haut. Est-ce que je vais pouvoir trouver une arme un peu plus... J'ai juste un peu plus de munitions que d'habitude. Parce que essayer d'avancer. J'avais eu la tentation de vouloir passer en force, mais je me suis dit qu'il allait avoir un ennemi qui allait rentrer soit avant moi ou en même temps que moi. Cette vie s'impose. Chargeons quand même parce que j'ai pas envie de me retrouver devant un ennemi qui me mate, qui m'envoie des coups de crosse.
Si jamais j'ai plus de munitions. Remarque, je pourrais en faire de même, mais... Et... Courage, les frites sont dehors. Prenez cet MG42 et servez-vous-en. Ouais. Ils sont tous morts. Encore un autre. C'est bon cette fois. Ouais, il semblerait que ce soit bon. Ok, c'est bon, c'est parti, on se casse. Voilà. J'espère qu'il y en a pas d'autres qui vont revenir. Oh putain. Pourquoi c'est... Putain c'est enfoiré. Oh là là. Ouh. Putain. Ah, comment elle a fait pour revenir cette grenade quoi. Alors là j'arrive pas là. Alors attends, je vais essayer de l'avoir par mesure. Alors... Allez. Pour sauvegarder, c'est qu'on est sur la bonne voie. C'est leur dernier canon. Détruisons-le et fichons le camp. Dernier canon. Qu'est-ce qui me tire? Première section, écoutez-moi. Le sergent Moody me doit 50 balles parce qu'on dirait bien que l'opération... 50 balles. Nos amis britanniques et canadiens ont pris la plupart de leurs objectifs. Sur la gauche, avec un poste de garde sur la droite. Ils ne m'ont pas vu. Croisons les doigts. Capitaine Price, Major Ingram. Peut-être dans la grande maison en haut de la route. Martin, en position. Éliminez la 42. Harding et Brooks, allez chercher le camion. Rendez-vous devant le château. Les autres avec Martin. Exécution. Oui, capitaine. Bon, laisse-moi deviner. Je parie que ici, on va devoir libérer le capitaine Price. Donc pour ceux qui sont adeptes de Call of Duty, c'est pas les mêmes Capitaine Price ou Commandant Price que vous pouvez voir sur les Call of Duty récents par rapport aux anciens. Ça n'a rien à voir. À savoir que ici il est américain et dans les autres Call of Duty il est britannique.
Donc c'est une histoire totalement différente. Bon, on va pas passer par là. On va contourner. Putain. J'arrive à passer. Ouais, on va passer. Cacher. On va faire comme Jack Bauer. Ouais, dans l'épisode 24 de la saison 4, il tire sur les jambes de Marwan Hook. J'adore cette soundtrack de Call of Duty. Pas mal. On va bien changer d'arme, c'est là les plus communs. Je suis pas énormément fan, mais elle est assez facile à gagner. Calme par ici. Bon, apparemment, il n'y a personne. On continue. On va être vraiment dans la cour. C'est à l'intérieur. Par des vis, ça va pas faire de mal. J'avais pas l'intention de faire ça, j'ai un peu improvisé juste pour le moment. Encore un camion. Plutôt passer par là. Un camion est détruit, au moins. Si jamais il y a un soldat qui me balance une nouvelle grenade, au moins je serai tranquille. Calme ici. Question d'habitude, je pense par rapport au jeu que j'ai pu jouer durant ma vie, donc. Ok, bah 2 et 2. Lui, il est bientôt mort. Et code de couleur orange foncé, donc il est bientôt mort. Donc je puisse compter sur moi-même que. De toute façon tu vas me servir à rien. Ah, une balle en pleine tête. Monter les escaliers. J'espère qu'il faut prendre. J'allais dire faut prendre à gauche, mais. Enfin à droite, pardon. Comme ça c'est plus simple parce que t'as pas besoin.
top secret. Contre-espionnage, sabotage. Je vais à un autre. Non, il me semble que je dois redescendre. Parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre. L'autre va servir à rien du tout. Ok. Va être prudent parce que là on est en zone découverte. Avec l'autre, il ne sert à rien en fait. Ok. Ah, ici, ouais, il est juste là en tant que spectateur. La moitié. Est-ce qu'ils sont tous morts ou pas? Apparemment ils sont tous morts. Jamais tourner de dos mec, parce que sinon. Voilà, attention, attention, attention. Bon, ça tombe bien, j'en avais besoin. Fortement même. Ah bah il est là finalement. Feu à volonté. Vas-y. Ah finalement il est... Je savais qu'il avait un autre qui allait venir. Et lui, évidemment, il m'aura servi jusqu'à un certain point. Je dis bien jusqu'à un certain point. Peu de vie, ça peut faire de mal. On sort d'ici. Bon travail. Très bien les gars, on continue. Au moins vous êtes vivant. Lui il est mort. La putain de folie. Pas maintenant, Price et Ingram sont derrière ces portes. Reculez, ouais. Vont sauter. On va reculer, je recule.
prends ça, connard. Au revoir. Je savais qu'elle allait avoir des enfoirés qui allaient être là. Ouais, quasiment mort en fait. Capitaine en rouge. Capitaine Follet, où est le Major Ingram? Ils l'ont emmené dans un camp. Ne vous inquiétez pas, je sais où. Bon, bah, j'imagine qu'il faut repartir par le chemin. Plutôt passer à gauche cette fois. Oh non, c'est bon. Personne. Camion droit devant, commandant. Bien, aidez le capitaine Price à sortir par la fenêtre. Il est blessé. Ah, il est pas en super forme, effectivement. Ouh. J'ai cru que c'était des ennemis. Ça va. C'est parti. Regroupement, on va sortir. Capitaine, et pour le commandant Ingram. On reviendra le chercher. Rentrez. Voilà. Très bien, c'est la fin de cette partie 2. Je vous laisse me suivre comme d'habitude sur ma chaîne pour poursuivre l'épisode. Vous appuyez donc sur la chaîne, enfin l'épisode Call of Duty Let's Play partie 3. Voilà, à bientôt. Merci. Au revoir.